Certains avancent bien, j'y reviendrai ce soir et demain, d'autres aussi tard, donc il faut faire des revues régulières de tous ces dossiers, en particulier le discours que j'ai prononcé à Bastia. Dans quelques instants, on participera à une cérémonie patriotique qui permettra aussi d'honorer la libération de la Corse, qui ne sera pas le premier département libéré, et en particulier à Ajaccio, Bastia, et la date officielle. Et enfin, ce sera aussi l'occasion d'une réunion internationale, puisque, comme je m'y étais engagé à Bastia, on réunira les 7 pays méditerranéens de l'Union européenne, ce qu'on appelle le MED7, demain après-midi et demain soir, donc à Ajaccio, pour parler des grands sujets de la région, ce qui permettra d'ailleurs dès ce soir, dans un dîner républicain avec quelques élus, on a dû un peu réduire le nombre pour les raisons sanitaires, à d'évoquer en quoi la Méditerranée peut apporter. Voilà. Le dialogue est bloqué avec les élus insulaires, un petit peu, d'aucun disent. Qu'est-ce que vous avez... Non, écoutez, moi je suis là pour faire avancer les choses, pour que ça aille mieux pour nos concitoyens. Donc il n'y a jamais de fatalité. Nous, on se bouge. Vous savez, on a beaucoup investi, et c'est normal, sur l'île pendant cette période de Covid. C'est 1,4 milliard d'investissements pour aider sur le plan sanitaire, économique, social. Je vais confirmer les choses demain. Il y a des sujets sur lesquels on peut, à coup sûr, faire mieux. On y arrivera. Le Conseil scientifique va prendre des décisions difficiles. Mais on prendra vendredi des décisions sur le Covid, mais à chaque jour suffit sa peine. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de la Corse, des projets qui sont les nôtres, et il y aura un Conseil de défense vendredi. Je dirais tout dévorer, même si... Vous allez bien, mais non, je vais vous serrer la main, on n'a pas le droit. C'est des gestes barrières, on peut faire réparer le coude. Est-ce que je peux vous donner un petit papier? Oui, madame. C'est pour aider le port de Bretignan-sur-Mer en Vendée. Il nous manque il nous manque quelque chose, juste un petit peu, bon. On est arrivé au bout. On a besoin de vous. Est-ce qu'on peut faire une petite photo, monsieur le président? Allez-y avec les contraintes. Oui, bien sûr, avec les contraintes. Faites du... Voilà. Super. Merci. Merci, messieurs, dames. Tout va bien, ça va? On est en vacances. Vous venez de où? De l'Alsace. Et vous êtes en vacances jusque quand? Bon, vous en profitez un peu, ça va? Magnifique, hein? Bon, profitez-en, profitez-en vraiment. Vous êtes de où en Alsace? Pas en même. Allez-y. Comment je fais pour faire une photo? C'est vraiment important. C'est pas vrai. Et je vous assure, j'ai la photo. Tu l'as fait? Maintenant, c'est votre photo. Vous l'avez fait, monsieur? Merci beaucoup. Merci à vous. Vous allez bien, monsieur, dame? Bonjour, vous allez bien? Oui, bien sûr. C'est l'anniversaire de mon fils aujourd'hui. Et il vous avait déjà rencontré à l'époque sous un ciel moins orageux. Et vous lui aviez déjà... C'est lui, là? Il est là. Ah, voilà. C'était le jour de la célébration terrible, votre stylo. De l'hommage au préfet Erignac. Si, ça va. Vous étiez ah bah oui, quand j'étais venu avec... Est-ce que je peux faire une photo avec vous deux, s'il vous plaît, monsieur le président? Merci. Merci pour votre venue sur le plan économique. Je sais, nous serons au rendez-vous, mais nous avons aussi beaucoup à faire ensemble.
parce que les élus corses ont aussi beaucoup de responsabilités que les évolutions leur ont données. Donc je pense que le gouvernement doit être au rendez-vous. Il l'a été depuis le début de la crise du Covid et d'ailleurs avant. Nous allons continuer ce travail et cet engagement. Mais il est aussi important que chacun, là où il est, avec les compétences qui sont les siennes, soit au rendez-vous de l'exigence. Non, c'est toujours un travail coopératif. C'est ma méthode depuis le début. Mais moi, ce qui m'importe, c'est que, véritablement, les dossiers avancent pour tous les Corses. C'est ce qui m'importe. Et donc, on les a avancés sur certains sujets. Il y en a d'autres, j'ai préféré qu'on aille plus vite. Merci, vous êtes adorable. Vous allez bien, madame? Oh! Ah non, mais oui, vous l'avez tatoué, l'Olympique de Marseille. Il fallait juste demander. Vous savez, vous J'ai sa photo. Prenez-le parce que là. Il... On ne voit rien, au pays, on ne voit rien. Vous allez avoir votre tour. Mais les journalistes, ils sont toujours devant, on ne peut rien même pas le voir. Oh putain. Il y a assez de. Je le fais. Je l'explique. Moi, je peux pas être plus frais. Ça va, jeune homme? Les enfants vont bien? Ça fait longtemps qu'on vous attend. Vous habitez à Ajaccio? Oui, la classe, ça, c'est bien, ça a bien repris? Ça va, c'est pas trop dur avec les règles? Ça va. Vous êtes en quelle classe? Moi, toi, t'as le masque à l'école? Oui, ça va. Toi, t'as pas encore le masque alors? Vous aussi. Pas non plus, je te le demande pas. Bon, ça va? Bonjour, messieurs, dames. Merci d'être là. Hein. Merci. Bonjour, monsieur, dame. Merci, on vous a attendu. On est resté un moment. Mais merci à vous d'être là. C'est normal. Bah non, mais il y a beaucoup de contraintes, je le sais. Donc merci à vous. Vous allez bien? Merci de l'avoir retiré pendant cette crise. Oui. Et on va continuer parce que c'est pas fini, vous savez. Ouais. Deux ans à ramer encore. J'irai pas. Non. On ramer ensemble. Mais alors, vous avez raison. De toute façon, tout ce qu'on fera, de bien en bien, on le fera ensemble. Parce que nous sommes une nation. Il n'y a pas le choix. Mais. Pourtant, j'ai pas voté pour vous, je vous le dis en face. Ça m'a attendu. Je sais pas si je voterai pour vous la prochaine fois. C'est pas grave. Vous êtes le président du monde à avoir assuré comme vous avez assuré pour les commerçants et pour tout le monde. Et on va continuer. Merci. Je pense que peut-être je vais réfléchir. Merci. Je me tiens derrière. Oui, s'il te plaît. Bonjour, messieurs, dames. Vous allez bien? J'essaie de faire décaler les jambes qui sortent par son sol. Oui, surtout qu'on ne s'engage pas là-bas. Bon, profitez bien de la région. Profitez-en. En étant vigilant malgré tout. Hein. Allez-y. Non, mais restez. Voilà, attention. Tous les distances et les distances. N'oubliez pas les mains non plus. Hein. Vous allez bien? Oh là là, ils sont magnifiques ces jeunes gens. Ça va, mademoiselle? Bonjour madame. Vous habitez ici ou vous êtes en vacances? Toi tu vas en quelle classe? Et ça va bien? Bon, merci d'être là.
Vous allez bien ? Oui, heureux d'être parmi vous. Heureux d'être parmi vous. Merci à vous d'être là, messieurs, dames. Salut la jeunesse. Des beaux yeux bleus. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour à vous. Vous allez bien ? Bonjour, ça va ? Ça va. Tu voles le sac. Attention, attention. Attention. Il a l'air d'aller directement là. Vendredi, les décisions. Ah oui, vous allez bien ? Oui, très bien. Bonjour, messieurs, dames. Président comme bon, je sais que c'est un peu compliqué en ce moment, il y a beaucoup de contraintes. Oui, mais tous les présidents sont toujours compliqués, donc il y a beaucoup de choses à faire. Non, mais je parle. Là, les contraintes, elles sont sur nous tous et donc sur vous aussi. Donc, je vous remercie de votre patience, votre respect, de la responsabilité, surtout les plus petits. De quelle période pour les jeunes ? Oui, oui, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut garder le masque, après reprendre les distances vite et puis laver les mains. Donc. Je vais disperser ce rassemblement. Absolument. Nous sommes très contents non, mais que vous soyez merci. Là. Hein. Franchement. Merci beaucoup, je veux vraiment vous remercier. Merci à vous. Merci d'être venu. Là, c'est très gentil. Merci de venir encore. Merci à vous, monsieur. On va aller honorer les anciens combattants dans quelques oui. instants. Oui. Bonjour, vous allez bien ? Ça va et vous, est-ce que j'ai pris ces belles photos sur vous ? Ça va la jeunesse ? Tu as quel âge toi ? 4 ans. Et toi ? 5 ans. Et ça va ? Je dis que tu as comment ça s'est passé à l'école ? Ça a été la reprise des cours ? Oui ? Vous respectez bien les règles à l'école qu'on vous dit, hein ? Pour battre le virus ? Bon. Comment ça s'est passé ? Et vous vous amusez quand même ? Et vous apprenez des choses aussi. Je veux les arts. Bon, chorale, hein. Bon. Bonjour, messieurs, dames. Allez-y. Hein. Elle a quel âge ? Elle a 7 mois. Merci. Je vous en prie. Bon, elle est mignonne comme tout. Merci. Ça va, c'est pas trop dur ? Non, ça va. Bon. On n'a pas le choix, on vit avec. Exactement. On vit avec. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. On fait attention, on se bat. On doit faire attention. Tu crois que ça marche ? Je veux la semaine aux 32 heures. Je pense qu'il n'a pas étudié le dossier là. La sixième semaine de congé payé. La sixième, c'est un peu trop. Hein. Dans les temps qui courent, ouais. C'est un peu moins. Je crois que là, on va aller plutôt à moi, j'en ai 10. 10 ? Ouais, c'est vrai.
dans la presse. Ah, dans la presse. Il y en a 10 dans la presse. Ah, quand même. 4 semaines d'hiver, un mois d'été et 2 semaines de RTT. Merci, messieurs, dames. Hein. Prenez soin de vous. Vous aussi, monsieur le président. Merci d'être là, en tout cas. Ça va, Mathéi? Ça va. Ah, un joli nounours. Vous aussi. Bon courage. Merci. Bon courage, messieurs, dames. Vous n'avez pas amené le soleil, hein? Non. Si, si, regarde, oh, il est revenu. Mais on n'a pas l'orage qu'on avait prévu. Bon, merci à vous, en tout cas. Prenez soin de vous. Merci. Merci, messieurs, dames. Bonne soirée à vous. Il n'est pas censé aller pas. On est rentré chez moi. Ils ont dit qu'ils sont passés sur un mec. Là-bas, il va le rechoper un moment, je pense. Mais nous, ça y est, on est bloqué là. Ça y est, on est bloqué. Ok. Merci. Bloc. Prends appui sur le mur. Ça vous intéresse, ça? Oui. Pourquoi? Ça vous envie de caler? Ah, il va venir en voiture. Ah, il va en voiture. De la direction légale, direction préfecture en fait. Bon, là, je... Donc, dès qu'il est rentré, tu lâches. Le terme de base, les gars rentrent dans la prison.